Et voilà, on est parti de nouveau pour une prochaine destination. Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Si toi aussi tu as envie de voyager tous les jours de l'an et ne pas te soucier du trajet. Attention. On est en train de chercher Myriam. On va bientôt. J'ai dit Myriam, Maryam, correctement prononcé. Et je ne sais pas où elle est, mais on va finir par la trouver. Elle est déjà arrivée et puis ouais, on va y aller. C'est ma voiture de société qui arrive dans plus ou moins un mois et demi. Tu trouves ça drôle? C'est trop drôle. On va faire des drifts. Tu vas rien faire de comme toi. Comme avec les buggy. C'était nul. C'était Mozart. Qu'est-ce qu'on mange? On mange du couscous avec du blanc de poulet, des patates, des poivrons et des carottes. La famille, on vient d'arriver ici à Tunis et donc on est avec la famille. Donc ma maman, mon cousin et le reste de la famille est devant. Let's go. Oui. Viens, un message. C'est ton mariage. Je t'aime, Sam. Je t'aime, Sam. Tu es ma femme. Voilà, donc on est bien arrivé. Là, on va manger. Ça, c'est le fils de mon cousin. Et regarde tout ce qu'on a mangé. Ça a l'air bon. Du piment, toujours du piment. En tant que bon Tunisien qui se respecte. Trouver des chaussures, madame. On va chercher la robe de ma tante pour le mariage de demain. Tu montes devant? Non, non, je monte devant. T'es monté devant? Non, t'étais monté devant tantôt. Monte avec regarde même le petit, il est devant, on s'en allait. Elle avait comme ça. Alhamdoulilah, je m'en Alhamdoulilah, ya Rabbi. Arafne, wale. Elle te va bien, Mehdi?
Et le petit ici, il est où? Il est pas là. Et là, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la dar. Dai. Allez, on y va. Le boss, il est là. Et je suis avec mes petits. On attend et on va aller manger. Tu vas où encore? Lui, il va. Zakaria? On va manger. On va manger quoi? Noix. Comment on dit ça? Le poisson. Hout le poisson. Oui. Parce que pour demain, c'est tout du café. Oui. Ça me fait pas trop tard. Là où elle a fait confectionner la robe. Ensuite, on est resté en famille, on a mangé. Et voilà, demain c'est le grand jour. Donc, les fiançailles de mon cousin.